Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathan et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Three Houses. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons continuer notre invasion de Shambhala avec Byleth et sa troupe. Et qui, pour le moment, sur ce final de Cloud, il y a une pointe de déception. Je dois vous l'avouer, étant donné que c'est exactement la même chose que la route... des Dolgard quand on n'est pas avec elle. Ce qui, à mon sens, est dommage. Mais bon. Nous allons d'abord finir avant de juger pour voir si c'est effectivement un problème, un défaut du jeu, ou simplement une flémardise développeur. Alors ça m'étonnerait que ce soit une flémardise, hein. Je pense que c'est plutôt un manque de temps. Développement s'ils utilisent les mêmes le même scénario, mais ça serait dommage parce que franchement pour le moment j'avais une note quasi parfaite hein, sur ce Three Houses et là si on arrive sur un scénario identique ça serait vraiment 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 la loose, enfin ça en resterait pas un jeu incroyable pour autant, hein, mais ça n'enlèverait en rien ça. Sa superbité, mais, sa superbitude. Mais ça baisserait un petit peu en dans mon estime. Je m'attendais à un scénario original avec Claude. Alors après peut-être que c'est juste la bataille. Voilà, une partie des batailles qui est similaire et le reste qui est... enfin peut-être un final différent. On verra bien de toute façon. On n'a pas encore terminé le jeu non plus. Paf. Il faut faire gaffe aux interventions avec lui. Donc c'est pour ça, on va envoyer Claude direct. Juste comme ça. Ah merde, il fait pas plus de dégâts que ça. Bon. Il y a peut-être un coup critique qui se... Ok. Non, pas de coup critique. Je pense pas qu'il contre-attaquerait par contre. J'aimerais bien que ce soit toi qui le tape. Tu le fais deux fois. Oh merde, tu t'es raté. Aïe. Ok, bon, on l'a eu au moins. Parce que du coup, t'as Marianne qui peut soigner. Hop, toi tu tires sur quelqu'un ou pas? Non. Est-ce que toi tu peux la tuer? Ouais, toi tu peux le tuer. Ok, donc on va favoriser le fait de le tuer. Ah, il pourrait tirer, cela dit, sur Alois, là. Ce serait embêtant. Bon, vous deux, là. Je sais pas où vous cachez, quand même. On va passer là, hein. Let's make this quick. Ok, fin de la phase. Ah si, c'est ça, il tire dessus. Bon, ça fait que 6 dégâts, ok. Ça va, j'ai un peu peur pour Byleth par contre. Sans effet. Parce qu'elle se prenait pas mal d'aggro. Une intervention, 12 dégâts. Ça me va. Plus elle esquive. Elle lui remet 12. Ça me va encore plus. Elle contre-attaque d'abord. Ce qui est bien, elle prend que 9 en plus, elle se rate. Et elle recontre-attaque, très bien. Byleth de toute façon est trop forte. 8, ça va. Et on le recule. 84. Wow. Voilà, mais Byleth. Peuvent pas tester Byleth. Ah, c'est pas Serenor, hein, c'est sûr. La contre-attaque de Byleth. Il a sort de passer les adversaires. C'est un poil abusé. Ah, Yuri. Tu peux pas faire un 24 d'un coup? Ah, si, voilà. C'était même carrément en 78. Ce qui était peut-être un peu too much. On n'a pas support. Tu peux peut-être l'attaquer toi. Ouais, faut que t'ailles là. Ah, et par contre, tu lui fais des dégâts au machin. Happy. Pas moyen de... Ah, tu peux soigner toi. Ok, alors tu vas aller là. Et tu peux remédier Byleth. Ça ne veut rien dire. Mais on se comprend.
Et c'est l'essentiel. Si je me mets là. A priori, je peux attaquer. Et je le tue. Ah mais c'est avec Fulgurant, oui. Oui, non mais non. Quoique Fulgurant, elle fait des dégâts. Hein. On l'a vu. Ouais, si tu te mets là, tu prends toujours l'aggro. Ah ah. Merde, tu peux pas taper d'ici. Tu peux pas taper d'ici non plus. Bon, lui, il fait pas de dégâts. Lui, il fait pas de dégâts. Lui, il bouge pas. Donc, en soi... je voulais te prendre Fulgurant. Non, voilà, l'épée d'argent, ça suffit. Très bien. Dommage qu'on ait pas le danseur. Hein. On ferait rejouer Byless. Et c'est une erreur de parcours. Bien belle erreur de parcours. Et voilà, je peux... en plus, il peut m'attaquer. Très bien. Ah. Oups. Non, pas support. Ah. Ça faisait plus de dégâts que tout à l'heure. Cela dit, alors, c'est quoi? Attaque qui? Attaque en zone. On va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. On va passer. Ah, il y a eux aussi. Ils vont pas tarder à se pointer. Ah, c'est très bien ça, Lysithia. On continue. Lysithia, quoi. Elle est trop forte. Là, on a une belle petite escouade, quand même. Est-ce que toi, tu peux ouvrir la porte? Normalement, oui. Hein. Voilà. Hop. Toi, tu devrais pouvoir le tuer, non? Non? Non. Jamir. Papa. Jamir, tu me déçois beaucoup, là. Bon, il y a 40% de chance de courir ici qu'elle tire deux fois. Voilà. Merci Chamir. Hop, la capacité, méditation. C'est vrai qu'il se récupère des PV comme ça. Alois, il est fort en vrai. J'avais zappé, mais non, pas météorite. Je vais se faire un petit remède quand même. En plus. Et Claude, est-ce qu'on peut tirer sur le... Bah du coup, on va se mettre là. Hop. Et on a fini la phase. Ça va tirer sur Alois, c'est très bien parce qu'il prend un peu de dégâts. Ok, c'est Alois aussi. Lol. Par contre là, j'ai un peu peur pour lui. Lol. C'est Bailes qui a pris les dégâts. Ça c'est pas bon par contre. Bon ça va. Ça fait pas de dégâts. Ah non, on avait vu que ça faisait 0 et 8 dégâts donc ça va. Ou 4 je crois même. 7. Bon. Le désavantage c'est qu'elle contre-attaque pas et qu'elle peut plus se déplacer. Ah si elle peut se déplacer. Mais c'est trop simple ce jeu. Ah non, elle peut plus se déplacer. Ah c'est bien ce qui me semblait. C'est juste qu'elle peut attaquer à distance parce qu'elle a. Elle a la possibilité. Nous avons la possibilité de le faire. Non, pas l'épée suprême. Elle est quand même sacrément ralentie. Alors maintenant qu'on a. On a l'ICCA. Est-ce que je peux faire autre chose que. Une petite Hadès par exemple. Elle a quand même presque solo. Hein. Et Bernadetta. Inépuisable, non, ça fait rien. Oh, c'est vraiment naze. Hein. Intervention. D'un autre côté, au moins, l'intervention s'est faite ici. A priori, toi, tu peux le tuer. Voilà, facile. Ok. Mais j'aurais bien aimé être utilisé pour tuer lui. Il a le souci. Aura, on va se faire à tout. Foudre. 31, mais c'est épée suprême. J'ai pas envie d'utiliser épée suprême. Après, on peut faire un coup d'épée suprême. Il n'y a pas eu de coup critique. C'est scandaleux. Bon voilà. Au moins ça c'est fait. Et je peux te soigner. Ah, t'as besoin de soin toi?
C'est un petit peu abusé de dire que t'as besoin de soin. Je vais pas faire une aura juste pour ça. Ensuite, ce côté. J'essaie de voir qui c'est qui peut l'atteindre lui là-bas. J'aimerais bien que Claude il l'attaque lui. Merde, il le tue pas. Est-ce que ce sera plutôt à toi du coup? Ah, j'ai le Thoron. Ah, oh, bah oui. Si je peux attaquer avec Thoron un chevalier, allons-y. Pas besoin d'une deuxième clé de porte. Ah, j'avais pas vu la bête là. Merde. Ah, y a une bête là-bas aussi. Ah, je l'ai zappé. C'est pas bon ça. I won't forget. Ouais, 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 mais c'est pas bon du tout ça. Je vais te mettre là et je vais plutôt envoyer lui. Taper lui. Hop. Ça, il attaque pas notre Dorothea. Tu vas rester là bien sagement. Cela dit, je pourrais commencer à. Non. Ah oui, là je suis attaqué par ça. Il manque qui? Il manque. Non, non, je vais pas faire ça. Il manque qui là? Ah ben voilà, Happy. Hop. On est bon. Pin, 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 pin. Il y a lui qui se pointe. Il y a lui qui tire. Hop. On le prend. Toujours lui qui tire. Et rien d'autre. Très bien, on va faire venir Happy. Ah, c'est tout? Attends. Je suis sûr qu'en descendant, voilà, on peut aller plus vite. Hop, ensuite. On va se faire le monstre là. Et puis après, on ouvrira la porte. Parce que je sais plus combien il y a de monstres à l'intérieur, mais. On va quand même éviter la douillette. J'ai une tactique encore là? Bah, j'en ai qu'une. C'est un peu chiant d'utiliser la tactique sur ça. Ah bah voilà, il y a un incendie. Voilà, on va faire celle au corps à corps de... d'Aloïs, ça sera mieux. Hop, si on peut récupérer des aciers en plus. Ce serait pas mal. Nosferatu. Bam. Ça casse le truc. Raphaël qui passe niveau 15 sur le dernier niveau. Alors c'est pas le dernier niveau, mais... vous avez compris l'idée quand même. Attaque, arc en héros. Non, je veux pas de héros. Quoi que. Ouais, mais là, si je tire sur lui, ça le tue. Moi, je veux casser ses. Critique intervention. Bah non, ça va pas, ça. Pourquoi? Ah, bah, il y a pas mal de vie encore quand même. Est-ce que y a quelqu'un qui peut ici l'attaquer? Et non, hein. Ah, peut-être toi. Ah ben non. Ah. Ok, on va faire un tir travail comme ça. Paf. Ok. Toi, ça m'étonnerait que tu puisses. Ouais. Toi. Attendre. Est-ce que je peux aller genre là pour casser le mécanisme? Non, pas du tout. On va juste objet. On va s'équiper de l'arc. Hop. Toi, tu peux avancer d'une case en plus. Claude. Huh. Est-ce que Dorothea fait plus de dégâts? Ouais. Clairement. Ah, par contre, elle prend des dégâts aussi. Ça, c'est pas bon. Bon, est-ce que je laisse tomber l'acier du coup ou... On va aller voir ce qu'il nous propose. S plus, critique plus 10, les livres n'enseignent pas tout. Ok, ah, ah, de l'argartium, ok, ah, argartium, c'est pas dégueu. Hop, on fait un truc comme ça. J'ai peur que Dorothea ne meure par contre. Ok, non, c'est encore Aloïs qui prend les dégâts. Par contre, c'est un peu plus que prévu. Bon, ça pique, hein.
Ah, il a pas attaqué, nice. On lui a tout pété, donc il a pas attaqué. Ça, c'est plutôt cool. Niveau 40, toi. Parce que Mercedes, elle peut faire une aura, là. Support. Allô. Ouais, il peut. Elle peut. Allons-y. Hop. Ça devrait soigner une bonne partie des troupes. Passe niveau 36, ça c'est cool. M'occupe de tout. Vas-y, vas-y. Alors j'aimerais pas trop m'éloigner. Arc en acier. Attendez, c'est qui peut ouvrir les portes? Est-ce que tu peux ouvrir la porte? Non. Donc tu dégages. In fact. Ouais, vas-y, allez hop. Au cas où s'il y a une intervention. Non, ok, bon. Attendre. Alois? Ouais, tu vas peut-être avoir besoin du niveau, toi. Oh non, tu t'es raté, t'es sérieux? Aïe. Ok, pas deux fois, très bien. Ouais, passe niveau 38, ça te fera plaisir. Ça te fera du bien. Alors j'aurais bien aimé que ce soit Yuri plutôt qui a un peu plus de résistance que... Après, est-ce que Byless, il a une clé? Parce que je sais que Dorothée en a une. Obligé, je crois pas qu'il y ait de clé, vraiment, c'est chiant. Elle peut pas les ouvrir, donc il n'y a pas de raison. On va soigner Claude. Toi, tu peux pas... Toi, tu peux ouvrir la porte. Tu peux ouvrir la porte, parfait. Ouais, c'est ça, il y a du monde. Hein. Ah, mais elle se fait claquer. On va faire le lunaire. Il mourra pas comme ça. Hop. C'est bien, ça me semblait. Flûte, flûte, flûte. La dernière fois, je me rappelais pas, mais. Mais oui. Ok, bon ça non. On va se mettre là du coup, on va se mettre là. Ah, tu peux quand même tirer. Bah écoute. On sait jamais. Attendre. Bah, toi tu peux rien faire de plus. On va se mettre là, hop. Ah toi tu peux te mettre là pour essayer de le tuer lui, non? Bon, ça marche pas. Parce qu'on peut pas te remettre sur ton cheval. Monter. Taille un peu plus loin, si voilà. Parfait. Oui, il continue de nous taper. Ok, il faudrait que je les détruise, mais bon. Ah ouf. Pardon, il faut être. Ah oui. Ah oui, mais là, là, ça a piqué, là. Ah bah Aloïs, désolé mais. Mais tu as mouru hein. Support, on va faire un halo. Ah attendez. Support. Ouais c'est ça, elle est pas dedans. Ça va pas du tout. On va faire un Abraxas, c'est ça? Abraxas, ouais. Paf, ça dégage. Toi, je te fais un support à l'eau. Là, tu soignes. Tu te prends 2000 PV, toi. Hein. Très bon. Ça relou. Parce que par pur hasard, tu lui étalerais pas la gueule. Oh, on n'est pas loin. Hein. On est vraiment pas loin. Je vais mettre là, du coup. Tu lâches la gueule à lui. Ça m'emmerde un peu de te voir prendre des dégâts, mais. Écoute. Hop. Enfin, juste faire que je te soigne. C'est à peu près tout. Hop. Et Claude, tu peux pas le létal, toi? Bah, si, voilà. Parfait. Ok. Bon Claude tu peux l'étaler, donc on va aller entraîner la petite équipe.
c'est bien ça. Paf. Tchac, attaque, météorite. Et en vrai. En vrai, la météorite, à coup de deux météorites, c'est fini. Parce que j'ai besoin de faire quelque chose d'autre en vrai. On va juste les soigner, hein. Voilà. Toi, je te soigne. T'as besoin de plus. Toi, je te soigne. Hop. Toi, je te soigne. Fais gagner de l'XP. Toi, t'as un téléport, je sais plus. Toi, je vais te faire la météore. Attaque, météorite. Sur lui. Boum, tu gagnes du niveau. Et puis voilà. On va en finir. Allez-y. Il est risible que vous, ridicules animaux, mouriez les crocs devant des êtres tels que nous. Montriez, pardon. Peut-être suis-je un animal, mais j'ai des puissants alliés. Croyez-vous pouvoir battre le professeur avec son épée du créateur? L'épée du créateur, la lame confiée à l'Émésis, qui, à votre avis, est supérieure? Votre professeur ou le roi de la libération? Il y a une différence majeure entre les vivants et les morts. C'est sur les vivants que repose l'avenir. Paf, prends-toi une flèche. Esquive la magie et prends-toi une flèche. Rip Thalès. Niveau terminé, la bataille de Shambhala. Et c'est Byleth, le héros. Évidemment. En 9 tours. Oh, on l'a torché, hein. On l'a torché cette bataille. Jamais. Vous ne savourez votre victoire. Impossible. Bah, apparemment si. Pour le peuple d'Arkatha. Que la lumière soit. Ah bah non, re le missile. Ça va pas du tout. On sait pas d'où ça sort ça d'ailleurs. C'est hyper particulier comme machin. Un second. Ta ta ta, c'est Tracer la dame. Elle fait des sauts 6 fois plus haut. Ah bah t'en as loupé un, hein, madame. Oh bon, t'en as quand même. Ah rip. Ah ouais, elle peut plus d'un là. Bon, je sais que j'ai déjà vu cette cinématique. Le bâtiment s'écroule. Mais je ne m'en rappelle plus que c'était aussi violent. Je pensais qu'il y avait moins que ça des missiles. Bon, lui il est dead de chez dead. Mais un petit coup d'épée supplémentaire ne lui fait pas de mal, je pense. Histoire de bien être certain. Et oui, voilà. Elle va toujours rien pouvoir nous dire. Bon, on est au courant, hein, mais de pas mal de choses. Mais quand même, des grosses boulasses. Je te dirai plein de choses après. Et non. Alors ça, par contre, qu'est-ce que c'est? Ça, par contre, ça me dit strictement rien. Ah ouais, ça, par contre, non. Ça, c'était pas ça. Qu'est-ce que donc? Est-ce que ce serait pas Némésis? Ah, ça y ressemble, hein. Ah ouais, si, c'est ça. Séros. Ah ouais, d'accord. Bah ça, ça y était pas du tout, par contre. Ça, c'est nouveau. Bon, bah très bien, il y a un nouveau plot. Oh, bah c'est bon, alors. Ce jeu est génial, ce jeu est parfait. 20 sur 20. Bah non, mais franchement. Ça pouvait pas.
Tenez bon, Damria. Vite, emmenez-la dans sa chambre. Cette blessure est très grave. C'est un miracle qu'elle soit encore vivante. Je ferai de mon mieux, mais... Je vous en prie, déesse. Sauvez Damria. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier. Vous souvenez-vous, quand il y a 5 ans, ce lieu a été conquis et qu'une bête blanche est apparue sur le champ de bataille. Je ne l'ai aperçue qu'un instant et je n'ai pas compris d'où elle sortait. Des rumeurs affirmaient que la déesse l'avait envoyée pour protéger le monastère. Mais j'ai maintenant compris. Cette bête était Rhea. Ce jour-là, elle a essayé de me sauver. Connaissez-vous déjà l'identité réelle de Rhea? En y repensant, je crois que... Bah ouais, je vous ai un jour montré l'illustration d'une créature surnommée l'Immaculée. Cetès l'a confisquée sous prétexte qu'elle devait appartenir à Thomas, mais cette bête lui ressemblait en tout point. Et Rhea doit donc être l'Immaculée. Absolument. Selon le livre, l'Immaculée était une servante de la déesse. Mais serait-il pas plus logique que ces bêtes soient en réalité les enfants de la déesse? Peut-être bien. Rhea est très mal en point. Il n'est pas certain qu'elle s'en sorte, mais nous avons des questions à lui poser. Nous irons la voir quand la situation sera un peu stabilisée, ensemble. On aura peut-être des réponses alors. Il est impératif que nous découvrions enfin la vérité. Parce que si je ne m'abuse, justement, moi j'ai en tête une image de l'Immaculée qui perd la boule. À Shambhala, vous voyez, je crois que même c'est une des vignettes. Où elle est sur les deux pattes, là il y a les ailes qui sont ouvertes et tout, genre elle crie. Et elle perd la boule, donc on n'avait jamais eu les explications. Mais là on pourrait les avoir, je vous avoue que c'est un peu flou, mais ça fait 2 ans que j'y ai joué. Hein. faut remettre en contexte. Mais du coup ça c'est certain, par contre on n'avait pas vu le roi Némésis. Enfin le roi de la libération plutôt, on peut pas mélanger les deux. Et il me semble que de toute façon on devait tuer l'Immaculée. Hein. Donc là, si elle est encore de notre côté, bah, ça change forcément quand même le scénario. Il est impératif donc que nous découvrions la vérité. Je suis bien d'accord, Claude. Il est temps. Il est grand temps. D'ailleurs, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Vous en pensez quoi? Ça fait que 3 minutes, mais on va s'arrêter là. Bah non, allez. Allez, je vous laisse le chapitre. Vent, émeraude, les pluies verdoyantes, une aube nouvelle sur Faudelan. Bah, et on va s'arrêter là. Ciao, ciao tout le monde.